Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous montre rapidement ma pousse de cheveux en 5 mois et demi. Cette vidéo, je l'ai tournée le 2 mai dernier et c'est une vidéo update, coiffure protectrice d'information aussi. Alors, ici, je me démêle les cheveux. C'est tout simple, hein. Je fais juste des vanilles en fait et je vais faire des nattes collées sur le côté. Donc ici, on m'a souvent demandé quels sont les produits que je recommande en fait dans ma gamme de produits parce que je n'utilise que les produits que je confectionne moi-même et je les commercialise pour celles qui ne le savent pas. Et on me demande souvent, mais parmi tous ces produits, qu'est-ce que tu pourrais nous recommander en priorité? Et en priorité, c'est ce kit-ci, ce kit qui comprend 5 produits minimum. Donc là, sur la photo, il n'y a pas le shampoing, mais vous avez aussi un shampoing solide qui est du savon noir. D'ailleurs, le savon noir a changé. Vous allez avoir un savon noir qui est plus solide, plus économique et moins cher. Donc du coup, n'hésitez vraiment pas à aller tester le nouveau shampoing. Alors, je disais que le kit comprend le bain de tisane qui va vous servir de soin hydratant profond. Le beurre de karité du Tchad qui est un excellent démêlant, mais vraiment excellent. L'huile de neem qui est excellente pour tous les problèmes de cheveux, de cuir chevelu, qui favorise la pousse de cheveux. L'huile de sésame aussi qui favorise la pousse de cheveux parce que ça favorise la circulation sanguine. Donc ça a été une belle découverte. Donc le kit coûte 39 euros. Donc il y a 5 produits. Et vous pouvez aussi avoir le kit avec 6 produits qui comportent en plus de l'huile de coco. Donc toutes les explications sont marquées sur les étiquettes. C'est très facile d'utilisation. Il suffit vraiment de respecter les consignes. Donc n'hésitez vraiment pas à aller tester ce kit si vous avez toujours aujourd'hui des problèmes de sécheresse, de casse, de cheveux qui ne poussent pas, de volume, etc. Je vous mets le lien de commande dans la barre d'information. Alors ici, pour avoir un peu plus de volume, je vais utiliser un sèche-cheveux. Donc je vais tout simplement étirer mes cheveux, passer le sèche-cheveux pendant 20 à 30 secondes maxi et faire des nattes au fur et à mesure. Et voilà le résultat final. Mes cheveux ont bien poussé. Je suis assez satisfaite vraiment de la pousse. Et n'hésitez aussi surtout pas à télécharger gratuitement le guide que j'ai prévu pour vous pour booster votre routine capillaire. Donc, c'est 8 fiches pratiques qui vraiment détaillent chaque soin, donc les soins que vous devez faire à la maison et comment les faire. Donc, voici quelques fiches qui s'affichent à ma droite. Le lien de téléchargement du guide se trouve aussi dans la barre d'infos. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Bye bye.